Vous êtes les loulous du MHSC. Alors, et on fait un petit peu les Olympiades des loulous du Montpellier-Hérault. Alors, vous savez que c'est ici que jouent les professionnels. Jouent TJ Savanier, Ferry, Chotard, Couillaté. Hein, ils jouent tous là sur cette pelouse. Et aujourd'hui, vous allez avoir le privilège de jouer, de vous amuser, de passer une matinée. Vous les loulous, sur la pelouse. Alors, de la Mosson. Il y aura le tir des cibles. Il y a deux endroits où on va devoir mettre les ballons, évidemment, tout en tapant dans les ronds qui sont répartis. Ensuite, vous avez le tir de la cible scratch. Vous avez un ballon scratch. Il faut taper, le mettre le plus au milieu possible et que le ballon reste scratché. Vous avez ensuite l'aréna, et ça c'est du 2 contre 2. On va faire des équipes de 2 contre 2. Vous allez devoir marquer des buts, à peu près 2-0, le vainqueur. Un but et on tourne. Voilà, le premier qui marque, on fait comme ça. Le vainqueur reste et les autres rentrent. Voilà, ça c'est l'aréna. Et on terminera avec notre animateur, on peut l'applaudir. Regardez, c'est Olivier Tom. Olivier Tom, vous connaissez la série, dessin animé. Hein, et toi tu vas proposer du tennis ballon. Donc on a deux adresses grâce à nos animateurs. On a Inès qui accueille les tirs cibles avec Clem. Il y a deux tirs cibles. Il y a également les cibles scratchées sont animées par Tania avec les enfants. Clément donc s'occupe de l'aréna. Alors là, t'as les grandes cages, hein. C'est les cages de Benjamin Lecomte, d'accord. Donc, t'as du boulot. Comment c'est ton prénom? Mathéo. T'es prêt, Mathéo? Alors, Mathéo. Il a un joli tir levé. C'est parti. Un joli jet de belle croix. C'est parti. C'est Payadino, se met dans les buts. Vous allez voir, ça va compter le même. Allez, Payadino. Allez les enfants, on est parti pour la remise des prix, c'est parti. Clément. Noé Papa. Du Montpellier au Sport Club et Payadino. Merci Payadino. Payadino qui est avec nous aujourd'hui. Merci les parents, merci les enfants. Et on compte sur vous l'année prochaine pour les 50 ans du club. Bonne journée, bon mercredi à tous.